Greg, un bon week-end pour toi, un podium de manche et puis une bonne opération au championnat. Ouais, j'ai sauvé les meubles. Après, premièrement, je suis vraiment mal parti. Je crois que je pars 9, donc pour remonter, compliqué, surtout que j'aime pas trop le sable. Donc voilà, mais bon, je me suis quand même un peu entraîné dedans. Et voilà, et avec mon préparateur Fifi, on bosse. Donc du coup, j'ai tenu physiquement. Et j'ai réussi à décrocher cette troisième place en deuxième manche, donc je suis satisfait. Ouais. Terrain physique compliqué, la chaleur arrange rien. Ouais, la chaleur, le sable, les trous, il y a du dénivelé, donc c'était vraiment compliqué. Il fallait bien partir, ce que j'ai fait en deuxième manche. Et puis j'ai essayé d'accrocher un peu le rythme de devant, mais ça roulait fort quand même. Donc voilà, après j'étais tout seul troisième, il y a Valentin qui revenait. Donc j'ai essayé de gérer un peu l'écart, j'ai tout donné jusqu'au bout pour pas qu'il me double. Et puis voilà, troisième place, donc c'est cool. Bon, Greg, il a mangé son pain noir, les épreuves qui viennent, Pernes, Fols et tout, ça va être un des terrains de sudistes tout ça. Ouais, c'est clair, je languis vraiment et voilà, moi je suis content de me battre avec Xavier pour le championnat parce que c'est un mec que j'aime bien et ça fait, quand l'autre fois je pensais, ça fait des années, j'avais retrouvé des photos en 2010 où on se battait déjà pour ce championnat, donc non, c'est cool. Et ouais, il reste 4 épreuves sur le dur, donc voilà, je vais m'entraîner comme il faut et essayer d'être prêt et de me battre pour ce titre, quoi. Bon, alors le Greg pilote va bien, comment va le Greg manager? Greg manager, ça va, non, on fait avec Stéphane Van Navarro, le réel manager, ça va super, on a ce qu'il faut, on a du matos, on a une belle structure, on fait pas de bruit, il y a tout qui roule. J'ai un mécano au top, voilà, il m'a bien motivé ce week-end parce qu'en arrivant, je suis un peu au fond du seau. Mais non, c'est top, et, on bosse. Comme je disais à la maison, j'ai Fifi, mon préparateur. Je m'entraîne comme il faut cette année, donc voilà, ça le fait. Et puis je suis content, maintenant je languis aussi les SX pour essayer d'aller décrocher aussi des titres. Et puis voilà. Monter un team, c'est plus compliqué que tu le pensais? Ouais, c'est compliqué de monter un team, on a un peu galéré avec Stéphane, mais on a réussi à le faire. Après, il a mis les moyens qu'il fallait et puis on a ce qu'il faut, donc c'est top. Et quand ça marche, on a encore peut-être plus de satisfaction, non? Ouais, ça, on est vraiment satisfait maintenant, j'espère que ça servira pour l'année prochaine pour avoir plus de sponsors et etc. Donc voilà, j'essaie de rouler devant tous les week-ends et je vais essayer aussi en SX de le faire. Et puis on verra l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait. Merci Greg, à bientôt.